Petit retour de vécu sur 3 séances de chirurgie informationnelle avec Samuel. Donc c'était réparti sur un mois à peu près, avec une dizaine de jours d'intervalle et un choix de sujet à traiter qu'on réévalue à chaque séance à peu près. La distance entre les séances, moi, ça m'a permis de laisser infuser, d'observer les conséquences dans le quotidien, de prendre le temps pour ça, et puis aussi de voir les expériences qui se présentent, en lien ou pas. Pendant une séance en elle-même, j'ai apprécié pouvoir me poser. Samuel, il a cette capacité à réajuster les curseurs entre le mental, le corps, les émotions, et pour ensuite agir sur le plan des infos. Les infos que le corps lui donne sur le moment. Donc, s'il me dit « je suis dans les tissus osseux », eh bien oui, il est bien en train d'agir dessus. Et de parfois transmettre l'info dont j'ai besoin, qui s'y rapporte. Et ça avance avec ma propre intégration sur le moment. Donc on est bien dans un travail conjoint. J'aime bien qu'il vérifie où j'en suis. J'aime bien qu'il accueille mes questionnements au fur et à mesure pour de toute façon me ramener au sujet et à la séance. Et c'est en ça que moi j'ai pu compter sur lui en tant qu'accompagnateur thérapeute. Il perd pas le fil d'Ariane en tout cas, et c'est très rassurant dans mon cas. Alors merci Samuel. Cette proposition des 3 séances, en plus, c'est vrai qu'on aurait tendance à faire une séance pour découvrir, et moi finalement je me suis jetée à l'eau en me disant bon allez hop, 3 séances, on aura le temps de bien découvrir, de vivre l'expérience dans le temps. Donc j'ai trouvé ça pertinent pour enclencher et puis ancrer les processus. Merci beaucoup.